Emmy ? Tu nous as manqué. Je ne me souviens pas de toi. C'est Alice. Ta sœur. Quand est-ce que je pourrais marcher? Il n'y a que toi qui le sais. Tu es resté un an endormi. Ton corps n'a pas de séquelles, mais il lui faut du temps. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir vite. C'est pas son corps qui m'inquiète. Elle a des troubles de mémoire. J'ai oublié des morceaux de ma vie. Amy, parfois tout peut revenir dès le réveil. Parfois il lui faut des jours, des mois. Ou jamais. T'es tellement jolie. Qu'est-ce que t'as fait pendant un an? Au début, je me suis coupée de tout. Je voulais plus voir personne. Puis, quand j'ai vu que maman allait de moins en moins bien, je me suis rendu compte que j'étais égoïste. Que j'étais pas la seule à souffrir. Et je me suis reprise en main. Et moi, tu vas m'aider? À quoi? À réapprendre à vivre. C'est le cirque de maman. C'est toi qui devais t'occuper du spectacle de fin de saison. C'est ça ta vie, Amy. T'es une artiste.
Ça va? J'ai l'impression... J'ai l'impression d'être un fantôme. J'existe plus pour elle, maman. Je me demande même si j'ai jamais existé. Le médecin a dit que ça pouvait prendre du temps. Il a dit aussi qu'elle pouvait jamais se souvenir. Je l'ai attendue pendant un an. J'avais tout préparé pour son retour et... C'était une éternité pour moi. Je sais. Et ça continue. Je comprends ce que tu ressens. On a tellement espéré le réveil d'Amy. Toi, elle t'a pas oublié. Tu t'en souviens? C'est pas trop dangereux comme je suis... T'es pas handicapée. Ton corps a dormi pendant un an, c'est normal qu'il mette du temps à se réveiller. C'est pas dangereux. Oui, enfin on fait pas trop non plus. C'est un endroit important pour nous ici. C'est là qu'on venait parler. Je suis désolée. Je me souviens pas de ces moments. J'aurais dû rester endormie. Dis pas ça. T'imagines pas le bien que ça nous a fait quand tu t'es réveillée. Maman voulait vendre le cirque. Demain. Très bien, je vous remercie. Tu as eu une terreur nocturne. Ça peut arriver avec ce que tu as vécu, c'est le stress qui s'accumule. Il faut que tu te reposes. Je monte changer tes draps. Ça tient toujours pour demain. Je sais pas si c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? C'est toi qui as dit que ce que j'avais, c'était pas si grave.
Maman voulait qu'on attende un peu.